Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Congo Musica. Eh bien, cette semaine, j'aurais voulu vous présenter un documentaire que j'ai réalisé sur les expositions que nous étions voir au parc des expositions à Porte de Versailles, c'est en plein Paris. Et par pur hasard, nous avons croisé un entrepreneur congolais, un homme d'affaires congolais qui évolue dans l'assainissement, et je citais Monsieur Moïse Kama, qui m'a accordé une interview avec qui je passais un moment. Il m'a expliqué comment ça se passe. J'ai profité également pour interviewer ceux qui ont exposé parce qu'il y avait plusieurs expositions. D'abord, c'était la conférence de maires de France. Tout le maire de France était en congrès. Ils étaient plus de 36 000 qui sont venus à Paris en congrès. Ensuite, ils ont exposé leur ville. Chaque ville a exposé sa spécialité, s'équiper, montrer aux yeux du monde et aux yeux de la France tout entière. Ces choses comme ça nous a inspirés. Et surtout, nous avons eu la grâce de croiser un entrepreneur congolais, j'ai cité Moïse Kama, qui nous a donné cet honneur. Et on a eu la chance de découvrir cette exposition. Avec vous, nous allons voir comment ça s'est passé ces jours-là. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des expositions comme ça? Il est spécialiste de l'assainissement. Et vous savez, en ce moment, le Congo, surtout Kinshasa, a des problèmes sérieux d'écologie. Vous voyez des inondations partout. On parle de l'écologie, on parle des changements climatiques. Mais nous pensons, il n'y a pas que les changements climatiques. Il y a aussi ce problème de plastique que nous utilisons, qui ne se dégrade pas facilement, qui reste longtemps dans la nature. Eh bien, notre entrepreneur, M. Moïse Kama, nous a expliqué qu'il est capable de faire, il est capable de proposer, surtout, il est prêt à faire quelque chose pour la République démocratique du Congo, son pays, surtout pour la ville de Kinshasa, qui souffre en ce moment des inondations qu'on n'arrive pas à expliquer. Voici le reportage signé Christian Bamou, qui était assisté de Sonny Moukanda. Voilà, Monsieur Moïse Kama, Mateta, parce que Toyokaki, il y a des salons, Toyokaki, ma mère, il y a France, ma Koutania, on a congrès Mounene. Est-ce que c'est un pisso, et ça, ni les Kakiawa, avec le maire de France. Bonjour. La France, une fois par an, rencontre, il y a ma mère, nous sommes 36 000 maires. Bah, la France, c'est un événement qui est le président Yaka, le premier ministre, Yaka, le député, le sénateur, tout ça. Mais le maire, il y a déjà 36 000. Donc il y a un congrès Yakawa, et Bakutani pendant 3 jours. Et à la fin, c'est bon. Donc c'est un événement qui est en France, c'est une fois par an. Il y a les congrès et les salons. Salon, ils ont pas eu ma mère, ma sœur, tout ça, et il y a les congrès pour les accords pour la réunion, pour rencontre, donc c'est voilà. D'accord. Alors, puisque tout le monde y a un grand salon, tu es bien au Diana Combo, porte de Versailles, il se passe beaucoup de choses ici, salon d'agriculture, salon automobile, Milo Kebele, Yozanakati, attends Kiki, tant que salon est au salon, qu'est-ce que tu fais? En fait, awa Toloba, parlons de salon Zalewa, congrès de maires, salon de maires, finiront naza partenaire officiel na bango. Donc nga naza moto naza na kati ya domaine ya assainissement, et assainissement hasard a fungwana mingi. Na kati ya assainissement, nous avons le nettoyage. Kati ya assainissement, tozana tri des déchets. Quand il y a assainissement, tout ça, nettoyage, tout le voirie, tout ça, quatre. Donc là-dedans, il y a un monde à pointe à quatre assainissements. Donc tant que il faut bah, vivre. Bien vivre dans le bango et le salon, il y a un monde. Donc pour que les gens soient pour l'équipe, la propriété de ces alliés, il y a un monde. Et dans quatre, il y a un assainissement énorme. Donc on assainit tous les coins qu'il faut pour. Va vivre avec toi. Et je suis leur partenaire au ça fait des années dans la salle. Voilà. Alors comment tu peux expliquer au atterrir Rwanda Ndengani? C'est costaud quand même. C'est costaud parce que oui, c'est costaud. Tous les Congolais,
nous avons déjà une base où il y a un Congolais quand il vient ici, tout ça dans l'intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé, na katia misalango, où il y a les loyaux, tout ça parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné, une entreprise congolaise, tout bien en congolaise, parce que naza congolais, et j'ai mes chefs congolais, bien que tout ça est bien dans le système, pour tout tenir. Donc c'est le travail. Et ça, résultat, il y a Moussala. Savoir faire, il y a un côté de Meminga, il y a un sommet, pour que tout le monde ait confiance, mais le loco, il y a un bengi. Compagnie à Mundele, il y a une compagnie à Congolais, où il y a Zali à la hauteur. Il y a un Mundele, pour ça, il y a évidemment. Alors ça fait à peu près combien de temps? Moussala, oui, ça fait longtemps, tout ça, la Katia Moussala, c'est un grand travail. Hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, tout ça, la Katia Moussala. Plus. Alors, personnel, vous en avez combien à peu près? Alors, pour, quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel au Bayaka suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés Mbalamoko. Parce qu'il faut, bah, faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, l'effectif est quitté dans 60. Donc, tout dépend. Il y a un marché qui est en train de se faire. Donc, là, on tourne. Je donne l'exemple de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc, ça, voilà. Donc, tu es aussi là, tu es au tu as une soixantaine, où il y a normalité, voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Voilà, vous avez suivi l'interview qu'il m'a accordée, c'est la première partie. J'ai également profité de mon bref séjour au parc des expositions à Porte de Versailles pour rencontrer des exposants. En dehors des congrès de maires de France, il y avait aussi l'exposition, qu'on me dit, vente de vin. Le vin, il n'y en a pas encore chez nous. Et pourtant, nous avons des climats tempérés comme à l'est de la République démocratique du Congo, là où il y a la guerre. En tout cas, le vin peut pousser, le blé pousse, pourquoi pas le vin? C'est-à-dire, nous pouvons planter les vignes qui peuvent nous produire de vin, pourquoi pas avoir aussi le vin congolais, puisqu'il y a ceux qui imaginent, il y a beaucoup de spécialistes dans ces domaines déjà ici en Europe, même en Amérique, les Congolais qui... exploite ces genres de commerce, ces genres d'exploitation. J'ai croisé quelques commerçants français qui sont dans le vigneron. Ils nous ont expliqué les problèmes qu'ils ont en ce moment avec la sécheresse en France, toujours l'écologie. Ils nous ont expliqué ce qu'ils ont comme problème, comment ça marche. Et vous allez vous rendre compte que le problème économique, c'est à travers le monde. Mais quand on se bat, on s'en sortira toujours. Écoutez ces petits témoignages, ces certains témoignages des commerçants français de vignerons que j'ai croisés au parc des expositions, porte de Versailles à Paris. Christian Bamou et Sonny Mukanda, image. Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis Hippolyte. Enchanté. Je suis de la chaîne de télévision Elite Africa TV sur Internet. Oh, nous sommes curieux de voir les vignerons. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le salon, jusqu'à quand? Alors, c'est le salon des vignerons indépendants. Donc, on est là depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, Porte de Versailles. Voilà, où on a tous les vignerons de toute la France, propriétaires récoltants, qui viennent vendre leur nouveau millésime, entre autres. Voilà. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça va faire 7 ans maintenant. 7 ans? Oui. Vous avez fait combien de salons? Là, c'est la deuxième année que je suis là. J'étais là l'année dernière. Oui. Et c'est combien de fois par an? Une seule fois. Ah, une seule fois. Mais il y a des salons ailleurs aussi. Exactement, dans d'autres villes. Vous y allez aussi? Non, je fais que Paris. En fait, que Paris. Mais pourquoi? C'est déjà beaucoup de travail à organiser, voilà. Et après, ça tombe pas forcément pendant les bonnes périodes pour moi, voilà. Parce que moi, je suis sur les périodes de fermentation, généralement, en octobre, novembre. Donc, je peux pas me déplacer. Il faut que je surveille mes vins et mes vinaigres. D'accord. Voilà. Vous êtes propriétaire? Oui. Vous faites commercial aussi? On fait tout. Quand on est vigneron, on fait tout. On va de la vigne jusqu'à être commercial, à vendre son vin, oui. Ah ouais? Oui. Ben nous, on avait l'impression, enfin, on a toujours pensé les vignerons, c'est des gens très riches. Hein, c'est vrai, ça? Non, c'est pas du tout le cas. Ça dépend de où on se trouve.
voilà, par rapport au prix du foncier. Mais après, oui, que vous soyez en Champagne, en Bourgogne ou comme nous en Gascogne, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Le terrain, le vignoble n'est pas du tout le même coût. Donc, non, non. Le prix par rapport à quoi ? À l'État ou au propriétaire ? Oui, prix de l'hectare de vignes. Mais quand vous achetez, c'est à vous ? Ah oui, après, c'est à nous. Ah oui, il faut remonter tout ça. Hein. Ah ouais, on ne savait pas tout ça. Mais alors, en ce moment, on nous dit qu'il y a quand même des petits problèmes avec des vignerons, mais on ne comprend pas. Ils ne manifestent pas, il n'y a rien. Mais ils se plaignent quand même. Non, on est calme, on ne se manifeste pas. Non, on est en fait en première ligne sur le changement climatique. Voilà, où ça fait plusieurs années où on a des petites récoltes, où on perd des récoltes par rapport à l'accélération du changement climatique. Où on a beaucoup de gel, de grêle, de sécheresse, de manque d'eau. Voilà. Et les assurances dans tout ça, ils ne s'y tiennent pas ? Non, c'est compliqué. Mais normalement, on attend la nouvelle réforme d'assurance qui est prévue pour 2023, pour pouvoir que tout le monde s'assure justement pour faire face à tous ces aléas. Qui va faire ces réformes ? Le gouvernement ou les syndicats ? Ah, je pense que c'est les deux qui vont se mettre autour de la table. Enfin, là, je pense que c'est voté d'ailleurs. Qui se mettent autour de la table et qui vont faire la réforme pour essayer justement que tout le monde puisse bénéficier des assurances. Mais dans le vin, il y a des syndicats quand même, non ? Oui. Les plus populaires ? Et les vignerons indépendants. Ah, vignerons indépendants. Là où vous êtes. Ça alors. Alors, qu'est-ce que vous avez vraiment comme problème climatique ? On entend parler, mais on ne sait pas comment ça se passe. On ne comprend pas la sécheresse en France. Le fait que le manque d'eau, c'est surtout ça, pour les cultures, qui est problématique. Le soleil, qui a tendance à brûler les cultures. Et après, le fait qu'il fasse trop doux l'hiver. Et donc, du coup, les plantes sortent de leur cycle végétatif. Et, sauf qu'au mois d'avril, on n'est pas à l'abri de coups de froid, comme là, ça fait 2 années, coup sur coup, où les plantes, du coup, ont sorti leur cycle végétatif. Et donc, le gel se met par-dessus. Et donc là, c'est catastrophique. Ça crame tout ce qui est bourgeon. Donc, les vignes, les fruitiers, tout ce qui est arboricole aussi. Mais dans votre région, il y a des cours d'eau tout autour. Vous pouvez arroser, non ? Non, c'est interdit d'arroser la vigne. On ne peut pas... Après, c'est de la fertilisation. Enfin, voilà. Après, c'est compliqué, l'irrigation. Mais nous, on n'arrose pas en Gascogne, non. Ah, vous n'osez pas ? Non. On peut même pas tricher ? Ah, ben, vous pouvez. Ah, mais... vous pouvez ? Oui, il y en a qui le font. Il y a ceux qui le font. Les sanctions, c'est quoi par rapport à... Ah, je connais pas. Là, je sais pas. Là, les sanctions, je sais pas. Ah ouais ? Vous pouvez irriguer, mais après, voilà, arroser... D'accord. Et aujourd'hui, cette année-là, le vrai problème, c'était quoi ? Alors, ça dépend des appellations. Pour toute la France, je pense que ça a été la sécheresse et le manque d'eau. Après, nous, dans notre appellation, on a pris le gel, comme à Bordeaux. Et après, et encore plus localisé, on a pris la grêle au mois d'août. Et en juin, je crois aussi, la grêle. Mais la grêle, ça dure pas ? Ah non, ça dure 5 minutes, mais ça détruit tout en 5 minutes. Ah, d'accord. Voilà. On apprend tous les jours, hein. On ne savait pas tout ça. Il faut crier encore plus fort. On ne nous attend pas. Tout le monde crie actuellement, donc peut-être vaut mieux rester silencieux pour passer. Tout le monde crie en ce moment. Voilà. Et vous persistez quand même à continuer dans le vin. Ben oui, on est des passionnés. Ah ouais ? Oui, c'est des métiers de passion. C'est d'abord la passion. Oui. Vous êtes héritière ? Non, pas du tout. Et vous êtes tombée de Saint-Gobain ? Par amour pour mon mari qui lui est vigneron. Ah ouais. Voilà, et du coup moi aussi j'ai acheté mon propre domaine viticole et voilà, la passion est venue. Et... Ah d'accord. Voilà. Un mot de la fin alors. À ceux qui ne savent pas tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez demander comme soutien à la population ? Ah ben, de continuer d'acheter français et local. Ah ouais. Voilà, ça soutiendra les filières. Ah ouais. Oui. Voilà. Vous avez de bonnes qualités ? Bah oui, je pense. Ah bon. Du coup, on ne savait même pas que le vinaigre venait du vin. Et bien sûr, c'est un produit de la vigne. Ah ouais. Voilà, c'est le cycle naturel de la vigne. On fait d'abord du vin et après on fait du vinaigre. Et l'impact direct sur la santé, c'est quoi ? Il n'y en a pas, au contraire. Il n'y en a pas ? Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Non, et c'est que des bonnes bactéries. Voilà, ce sont des bactéries naturelles qui changent l'alcool en acide acétique. Uh-huh. Donc, voilà. Merci Cécile. Très Hippolyte. Sympa. Nous sommes sur quelle entreprise ici ? C'est JMA. JMA France. JMA Cloud Pro. Non, JMA Cloud Pro, c'est une solution qu'on propose à nos clients. Nous, on est la société JMA France. Ah, on est des fabricants d'ébauches et également fabricants de machines de taillage de clés, machines électroniques et machines mécaniques. D'accord. Mais quel est le rapport avec le congrès de mer ? Eh bien, tout simplement, notre objectif en exposant au Congrès des maires, c'est de proposer nos services aux maires, c'est-à-dire
le taillage des clés pour les collectivités. Ah, d'accord. Et c'est la première fois ou vous venez d'habitude ? C'est la première fois que nous exposons au Salon des maires. Ah, d'accord. Mais vous êtes dans la région parisienne ? Exactement. On est basé à Poissy. À Poissy. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Quand vous exposez comme ça, quelle est la démarche recherchée ? Qu'est-ce que vous cherchez en fait ? On recherche à présenter nos produits, à présenter nos innovations, et notamment, exactement, et notamment la dernière innovation, c'est cette machine qui va tailler et graver les clés. Donc je taille les clés, et dans la, en droite ligne du taillage, je vais graver les clés. Graver, c'est d'aller copier. Non, copier, c'est la première étape qui consiste à tailler la clé, et la deuxième étape qui consiste à écrire sur la clé. Qui commence gentiment à évoluer, à arriver à son apogée. On a quand même des vins d'une grande garde sur Saint-Estèphe, nous particulièrement dans le Médoc, et d'autant plus que vraiment la personne qui fait le vin est notre directeur aujourd'hui au château, c'est un ancien de Bouton Rothschild. Il y a travaillé pendant presque 23 ans avant de venir travailler pour la famille. Donc, José s'occupe bien entendu de toute la direction et c'est vraiment lui l'homme du vin. Moi j'ai toute la partie commerciale et puis après on a notre maître de chez, chef de culture, enfin, on est cinq. Combien de fois par an? Alors nous on fait donc sur Paris, on fait ce salon là et puis on fait aussi le salon qui est à Port de Champéry, qui est au printemps. Oui, toujours à Paris. Grosso modo sur Paris on fait deux salons par an. Autrement, il y en a aussi dans le fond. Autrement, il y en a ailleurs en province, il y en a à Strasbourg, il y en a à Lille, il y en a à Reims, il y en a à Lyon, il y en a dans le Sud aussi, je crois qu'il y a Mont-de-Lieu, il y a, voilà, il y a une dizaine ou une quinzaine de salons de vignerons indépendants par an sur la France. Et vous faites tout ça ? Non, on ne les fait pas tous, on les sélectionne un petit peu. Sinon, ça fait beaucoup de jours, on n'est plus à la propriété. Non, on ne les fait pas tous, effectivement. C'est bien. Voilà. C'est pour la première fois, je ne savais pas comment ça marche. Ouais, ben voilà. J'espère que je vous ai tout expliqué. Ah oui. Alors après, vous avez vu, on est vraiment répartis de manière un peu aléatoire. Donc ça c'est fait pour, si vous voulez, que vous puissiez vous arrêter un petit peu partout et aller découvrir différents vignobles dans différentes appellations. Et chaque année, ça change. On n'est jamais au même endroit. Ah. Vous êtes comme ça chaque année obligé de faire tout le tour et de venir un peu voir tout le monde et d'aller déguster tous les vins. Ben ici au moins vous êtes régulier. Ouais. Nous par contre ça fait presque 15 ans qu'on fait le salon. Il y a travaillé aussi. Ah ouais. Ouais. Et ça marche le salon ? Oui, c'est quand même des salons où ce qu'il y a de super sympa pour vous, c'est qu'on vend au prix quasiment propriété. Donc c'est comme si vous veniez nous voir dans nos domaines en fait. Mais là, pour le coup, c'est nous qui nous déplaçons et qui venons vous voir. Uh-huh. Voilà. Donc oui, c'est des salons qui fonctionnent quand même bien. Ah d'accord. Donc ouais. Ça vous arrive de faire un chiffre et alors les salons ? Oui, tout à fait. Ah d'accord. On fait des jolis chiffres d'affaires. Ah, comment on vous appelle madame ? Moi je m'appelle Maude. Maude. C'est ça. Merci Maude. Avec plaisir. Bonjour Jean-Bilard. Bonjour, papa Jean. Je suis à la porte de Versailles, à la porte d'exposition. Oui. Propre exposition Belle et les Kakawa. Vous êtes chef d'équipe. Donc, tu t'occupes d'un groupe de gens quand même personnels. Comment vous vous organisez pour gérer les déchets et l'eau qu'on est ? Oui, tout ça, on a un système et deux équipes. C'est un autre salon. Notre salon, il y a un salon de mer. Tout ça, il y a deux équipes. L'équipe Moussou Moussana Bango, il y a Tokabola Kango, ma stand, na nettoyage. Il y en a sort, moi, il y a mis balle. Moussou Moussana Bango, ça, là, aspirateur. To bandarata, on s'en est bandit, to bandarana, montage. Montage, on montage, ça, to bandarana, on l'a pas poubelle. Il y avait stand, on va monter. To l'on l'a pas poubelle, to l'on l'a pas poubelle, ça dépend, il y a deux jours, trois jours. To l'on l'a pas poubelle, tous les jours. Mais ma poubelle, elle est à trier. Ma baya. Ils ont la plastique, ils ont la sanganité. Donc, ils ont la place. Ils ont à peine la belle. Trois jours, on a passé pour préparer le montage. Et dans le quatrième jour, ça nous fait fond. Leur équipe est commis en deux groupes. Dans ce combat, c'est quoi ? Ils ont rendu une organisation pour différentes tâches.
Bon, là, aujourd'hui, nous avons l'air de vous aller à la permanence. La permanence, nous avons l'air de vous aller pour la propriété, il y a salon. Tant que nous avons l'air de vous aller à d'autres chefs, nous avons l'air de vous aller à la grand boulot. Nous avons l'air de vous aller à la déchet tout. Si on a des gens qui ont traîné, donc on a géré, comme les années 20, on a bavé les Okoufa, Milan les Okoufa, donc on a un sucre pour nous. Après, on a un sucre dans le Liban, dans le Baben. Mais les grands boulets au Salama, tant que nous avons un bazar sauté, donc tout ce qui est pour nous. Donc ils nous font confiance, ils nous font clé dans le Bango, ils nous font clé dans le. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Ils nous font clé dans le. Ah ouais, tout veille dans nos sous. Si demain matin, bah on va y aller, on va le salon là-bas. Beaucoup, les gens ils vont travailler ici là-dedans. Donc, l'hôpital, ils ont coûté en sous. Ils ont un direct coût. On a beaucoup compétré une vingtaine de personnes. Ouais. D'accord. On a l'impression que nous, nous sommes dans l'événementiel. Tout dépend. Il y a grandeur, il y a événement. Grandeur, événement, il y a un peu, mon thème, grandeur. Quantité et personnel. Voilà. Le plus grand salon ici. Le plus grand salon ici, tant au côté en agriculture, foire de Paris. Avec Kuna on brille, le salon Mokosage à 80. Rien que Mokosage à 80. Alors, l'avantage, l'avantage, il y a des gens qui sont là le matin. Donc, tant à Yakin à 6h30, à Kokeneti midi. Bakati. On a beaucoup de sucre. On pense que ce que nous avons besoin, nous sommes dans Moi, nous sommes dans Boutou, nous sommes dans 300 personnes. Donc, il y a, c'est le même, tout le monde a coupé, après, il y a une zone de sucre. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est un travail. Il suffit de respecter les codes du travail. Code du travail, et puis c'est le temps de repos. 7 heures, il faut peu, 8 heures, il faut respecter le temps d'ailleurs. Bon, ça dépend. Et puis c'est bon, hein. Du moment où tu es dans les bons, j'ai pas de souci. Je respecte la législation française. Voilà le peu que je vous ai proposé ce soir. C'est pour vous dire qu'en ce moment difficile que traverse notre pays, non seulement il y a la guerre, il y a aussi la crise économique, nous sommes à la recherche des investisseurs et pourtant nous avons des solutions tout autour de nous. Que ce soit Kinshasa, qu'il soit à l'étranger, nous avons une grande diaspora qui compte à peu près 5 millions d'individus. En France seulement, où nous sommes plus nombreux, nous sommes plus d'un million. Vivre, où nous avons commencé notre vie, il y a ceux qui sont arrivés jeunes, il y a ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants même aujourd'hui. Et surtout, ce qui fait chaud au cœur en ce moment, ces enfants qui sont nés et grandis ici, ils sont très intéressés pour aller en tout cas, investir en République démocratique du Congo. Voilà un exemple. Je vous ai proposé monsieur Moïse Kama, qui nous a expliqué qu'il est capable d'apporter des solutions à tous ceux qui connaissent l'écologie en ce moment à Kinshasa. C'est pour vous dire, quand on crie, les investisseurs ne viennent pas, le premier investisseur devait être nous-mêmes, parce que nous avons l'expertise dans tous les domaines. Le développement, mes chers compatriotes, ce n'est pas si difficile. Il suffit de s'organiser. Il suffit d'être sérieux. Moi, j'étais au parc d'exposition. J'ai vu comment les choses se passent. C'est des choses qu'on peut faire chez nous. Pourquoi pas? Nous avons vécu la foire il y a des années. Quand on parle parc d'exposition, c'est un peu ce qu'on voyait à la foire internationale ou la foire nationale qui s'est passée du côté de Lemba, quand le Congo était encore organisé, quand il y avait un semblant d'organisation. Il y avait des choses comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, avec la force de l'informatique, des numériques, nous pouvons facilement avoir des contacts pour mobiliser les Congolais de l'étranger. Je vous ai venu, vous avez suivi notre ami Moïse Kama, qui nous a expliqué qu'il est prêt. Or, je ne pense pas qu'il est le seul à avoir la spécialité de l'assainissement, à avoir des solutions écologiques à tous nos problèmes que nous connaissons en ce moment. Il faut réfléchir, il faut beaucoup d'imagination. Souvent, nous avons tendance à pleurer au lieu de réfléchir sur nos problèmes. Tolé la kavan, avant, tolé la solution. Tout le monde est Kinshasa, Zidane, Kinshasa va quand même bêler.
mais il faut tous un thème bio. Tous un thème bio puis tout réfléchir. Mais tous les lacs avant tous avoir solution. Bah congolais, bah homme d'affaires, bah zébélé. Bon moni oh yambinga lelo, monsieur Kama. Moïse Kama, à ça exemple, tu as dirigé le parc d'exposition. Et ça, c'est un peu de temps. Tu as la salité, tu as le recyclage. Après, tu as même une formation. Même la salité, tu as une richesse. Même Chine, tu as payé la Pologne, tu as la foule, la Français, tu n'as pas la banque. Mais comment tu as la foule, tu as la solution. Bon, peut-être, quand tu as la banque, tu as moins limité, mais il faut s'ouvrir. Mais puisque tu es un homme d'affaires congolais, soit pour Akuna ou soit pour Zalia, pour s'organiser, pour avoir sa pression, tout ça va solutionner le problème en Bokanabiso. Et moi, on a que ça grave le problème en Bokanabiso. Mais la solution est simple. Juste organisation. Soit tu t'organises, tout ça va solutionner. Mais l'État est là, comme on est dans le parc des expositions, la porte de Versailles, Moutaza, responsable d'entretien, Moutaza, responsable de Sénitinabango, Yohana. Monsieur Moïse Kama, nous avons bibiso expliqué bisopé, tous organisés mes frères, surtout dans le moment ils ont pas si beau. C'est vrai, mais quand mes belles ont marché t'es n'amboc. Mais c'est vrai, dans le moment on a des coups tous organisés, tant ma maison ont marché t'es, des moutons aura force, moutons aura maillé, tant on a pas difficulté, tous un peuple a maillé, tous un peuple a la chance. T'as la bambou qui belles dingue panzana panzana mais bisot tous akak, malgré ma guerre tous a. Exemple, tous auraient battu. Qui vous place guerre et la rate tout le temps, mais bon, on va se développer, qu'on le place la guerre et la rate. Donc, on va se passer à la leçon. Laisson. Tout réfléchir, mes frères, tout s'organiser, bon, on a bisou et qu'on marche parce que tout ça un pays béni. On a tout, sauf organisation, tout ça en amoté, sauf sérieux, tout ça en amoté. Or, c'est des choses qui s'apprend, ça s'apprend. Bah, m'dé le bazar a pu sérieux, bah, comment sérieux? Bah, pays n'est pas Inde, bah, Vietnam, bah, bah Singapour est bah pays à pamba pamba y a pas longtemps mais tant bah t'es sérieux t'as là bah résultat et puis amis tous organisés. Merci à monsieur Kama Moïse qui nous a bien reçu aujourd'hui. Je vais dire aussi merci à son collaborateur monsieur Jean Bila qui nous a guidé également pour voir différents stands lors de cette exposition. Et je vais terminer en disant merci à toute l'équipe qui m'a accompagné déjà là-bas au parc d'exposition. Et l'équipe qui m'accompagne ce soir, Christian Bamou, toujours accompagné de Sonny Mukanda à la réalisation et à la caméra. Et on n'oublie pas notre coordonnateur, M. Roger et Kabeya, qui nous a accompagnés. Merci à tous et on se fixe rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Congo Musica. Merci de m'avoir suivi. Très bientôt. Bonsoir.